Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours sur la thématique du prix on demande qui est l'une des meilleures opportunités business et commerce pour 2019, pour 2020 et pour les années à venir. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous partager les résultats que j'ai obtenus cette semaine, même si la semaine n'est pas encore finie, mais c'est quand même intéressant de vous en parler, puisque cette semaine, vous le savez, la Black Friday, c'est vraiment l'un des plus gros événements, l'un des meilleurs événements pour tout type de business, que ce soit e-commerce ou business physique. La Black Friday permet de générer un maximum de chiffre d'affaires, un maximum de bénéfices en un temps record. Donc du coup, il faut vraiment surfer sur cette vague, profiter de cette Black Friday pour pouvoir générer du cash. Je l'avais dit à mes élèves de vraiment capitaliser là-dessus. C'est ce que j'ai fait également avec évidemment des prix ton demande sans boutique en passant uniquement par des plateformes comme Teezily. Puisque c'est beaucoup plus simple de faire ces campagnes comme ça. On ne s'embête pas avec Shopify, les applications, etc. Du coup, personnellement, même si la Black Friday ne dure qu'une seule journée officiellement, donc un vendredi, j'aime bien faire des campagnes qui durent toute la semaine, qui durent plusieurs jours suivant cette Black Friday et évidemment quelques jours avant la Black Friday pour préparer les clients, pour préparer sa future clientèle. Et c'est très judicieux de faire ça puisque vous allez pouvoir générer un maximum de cash sur plusieurs jours en sachant que la plupart de vos concurrents, enfin du moins la plupart des personnes qui surfent sur le Black Friday, ne surfent que soit sur le vendredi en lui-même, soit sur le week-end en lui-même, vendredi, samedi, dimanche. Alors que vous allez capitaliser dessus sur toute une semaine, mais sur plusieurs jours suivant cette Black Friday ou même un peu avant, un peu après. Mais l'important, c'est vraiment de surfer plusieurs jours autour de cette Black Friday et vous allez pouvoir maximiser vos gains puisque il y en a peu qui le font et vous passerez vraiment pour une marque généreuse hein, qui fait vraiment de gros cadeaux à ses clients sur plusieurs jours. Et je peux vous garantir que ça rapporte beaucoup de résultats. Alors cette semaine, du coup, on est mercredi à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc nous sommes à 3752 euros. Je vais faire normalement le double, plus du double de ce chiffre à la fin de la semaine si tout se passe bien. Je referai une autre vidéo samedi, je pense, pour pouvoir présenter de nouveaux résultats. Mais voilà, là c'est quand même pas mal. On est à 3752 euros de revenus, 163 articles commandés pour 146 commandes. Donc il y a quand même pas mal d'upsells qui sont passés. Je rappelle encore une fois qu'il faut toujours chercher à maximiser les produits complémentaires. Il faut qu'un client qui vienne acheter sur votre boutique puisse acheter plusieurs articles. Si j'avais par exemple deux articles commandés par commande, ça me ferait pratiquement presque 300 commandes, tout ça pour le même nombre de visiteurs. Donc plutôt que de chercher à augmenter le nombre de ses visiteurs pour augmenter son chiffre d'affaires, cherchez plutôt à augmenter le nombre d'articles commandés par commande. Ainsi, vous allez pouvoir maximiser vos gains. Évidemment, il faut toujours rechercher un maximum de visiteurs, mais cherchez toujours à booster votre panier moyen. C'est vraiment ce qui va générer un maximum de cash pour un minimum de dépenses en marketing sur le long terme. Donc cette semaine, comme je le disais, nous sommes pour le moment à 3752 euros de revenus. Hier, j'étais du coup à 1321 euros de revenus pour la journée. Donc c'est vraiment pas mal. 71 articles commandés pour 58 commandes. Donc là encore, il y a pas mal d'upsells. Il y a à peu près 13 upsells en plus. Plutôt que d'avoir 13 clients en plus, j'ai tout simplement 13 upsells en plus. Un upsell, c'est un produit complémentaire qui vient s'ajouter au produit principal. D'accord? Et puis aujourd'hui, du coup, nous sommes à 874 euros en sachant que la journée est loin d'être terminée. 42 articles commandés pour 34 commandes. Donc là encore, il y a pas mal d'upsells. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment maximiser ses gains sur des campagnes comme celle de la Black Friday. Donc je l'avais dit à mes élèves en amont de vraiment profiter de cette Black Friday pour en faire de grosses campagnes. Ces campagnes, elles sont rentables. Maintenant, quel style de campagne est-ce que vous pouvez faire lors de ce type d'événement? Vous allez surfer idéalement sur des appartenances à des groupes, sur la fierté d'appartenir à certains groupes. J'en parle déjà dans le programme complet, j'en parle également dans certaines vidéos, mais il faut vraiment, quand on fait du prix qu'on demande sans boutique, en tout cas, je dis bien sans boutique, puisque avec boutique c'est autre chose, mais sans boutique, il faut vraiment maximiser sur les groupes, l'appartenance à des groupes. Je vais vous montrer tout de suite des exemples de campagnes à réaliser. Donc voici typiquement
Un exemple de campagne à réaliser. Donc, je suis infirmière car Disney n'a pas voulu de moi comme princesse. J'étais trop belle. Donc là, on est vraiment sur une thématique des infirmières, sur le groupe des infirmières, la fierté d'appartenir au groupe des infirmières. Évidemment, le t-shirt est porté par un mannequin, par un être humain qui porte ce vêtement. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un vrai mannequin qui a porté le t-shirt sur elle-même. Il s'agit plutôt d'un mock-up. C'est-à-dire que l'infirmière ici, enfin du moins l'être humain ici, le mannequin ici, portait un vêtement vierge et on rajoute son design par-dessus. Pour vendre, c'est beaucoup plus frappant comme image que le t-shirt en lui-même, même si le t-shirt en lui-même peut rapporter déjà pas mal de ventes. Mais c'est toujours mieux si on peut rajouter prendre un être humain, un mannequin qui porte le vêtement, c'est toujours plus poignant. D'autant plus que là, il s'agit de la niche des infirmières et on a un mock-up d'infirmière, donc c'est parfait. Donc on est là pour la Black Friday, t-shirt, sous la capuche, débardeur, etc. Donc ça c'est vraiment typiquement le type de campagne qui rapporte beaucoup, beaucoup de cash. Autre exemple de campagne, ici donc Black Friday c'est qui? Je peux pas, j'ai bêtise avec Tata Infirmière. On voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de likes ici, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, donc beaucoup d'interactions. Donc c'est vraiment une campagne qui a vraiment cartonné. Donc Black Friday, c'est qui a commandé ici, disponible quelques jours seulement. Donc je peux pas, j'ai bêtise, avec Tata Infirmière. Il s'agit d'un vêtement pour bébé. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je le dis également dans le programme complet. La niche des enfants est une superbe niche, évidemment. On va pas forcément faire des designs pour enfants, mais au moins des designs sur des vêtements pour enfants et viser ensuite les parents. C'est vraiment excellent comme stratégie. D'autant plus que là, il s'agit donc de vêtements pour enfants et on vise les infirmières. On se doute bien que la plupart du temps, ben, les infirmières ont déjà soit des enfants, soit des neveux et nièces. Du coup, avec une campagne comme celle-ci, on peut faire de très très belles choses. Donc retenez bien, je veux faire du prêt de demande sans Shopify, sans boutique, en passant par les plateformes, c'est ce qui va rapporter le plus. Alors évidemment, quand je parle de Black Friday, il ne s'agit pas d'être de design sur la Black Friday, mais de faire des campagnes de promotion concernant la Black Friday, de bien montrer qu'il s'agit de la Black Friday. Donc il faut commander rapidement, il faut savoir que ces campagnes éphémères, donc qui misent sur les. Sur la fierté d'appartenir à des groupes, ben ce style de campagne cartonne toute l'année, mais avec la Black Friday, vous allez pouvoir générer des pics de chiffre d'affaires, des pics de bénéfices, et il ne faut pas passer à côté de cela. Donc voilà, je ne vous retiendrai pas plus longtemps pour cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment générer du cash avec la Black Friday. Évidemment, il y a la Black Friday le jour même, donc le vendredi, mais il faut poursuivre toute la semaine qui suit, ou quelques jours avant, quelques jours après. Il faut vraiment surfer autour de cette Black Friday pour pouvoir maximiser ses gains, maximiser ses chiffres. Et puis miser sur des campagnes comme celle-ci, des campagnes où on montre la fierté d'appartenir à des groupes. Ici, on prenait l'exemple des infirmières, mais il y a tout un tas de groupes sur lesquels on peut faire de belles choses. Il y a Noël évidemment qui arrive, donc du coup, on pourrait faire la même chose pour Noël. Non pas le 25 décembre, mais avant Noël, après Noël également, pour vraiment montrer qu'on est vraiment dans un esprit ultra généreux. Et comme on est dans un esprit ultra généreux, du coup, j'ai décidé de renforcer l'offre autour de Prêt ton demande Académie volume 2, autour du programme complet. Pour ceux qui ne connaissent pas, le programme complet Prêt ton demande Académie volume 2, c'est 15 heures de formation vidéo pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous verrez évidemment comment faire du Prêt ton demande avec boutique, avec Shopify, mais vous verrez également comment faire du prêt ton demande sans boutique, sans Shopify, en passant uniquement par les plateformes comme Teezily, comme Teeship, comme Teespring ou comme les autres plateformes qui permettent de se passer complètement de Shopify. Mais ce n'est pas tout. En rejoignant aujourd'hui Prêt ton demande Académie Volume 2, vous recevrez automatiquement un pack de 250 designs professionnels libres de droits, des designs offerts, modifiables, que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant pour pouvoir vous lancer. Ainsi, vous n'aurez pas à perdre du temps dans le sourcing de design, dans la création de design. Vous aurez déjà des designs qui cartonnent pour vous lancer dès maintenant. Mais pour aller plus loin, vous recevrez tous les mois, je dis bien tous les mois, des campagnes Facebook Winner, des campagnes de publicité Facebook Winner avec les designs, avec le texte publicitaire et avec le ciblage complet. Ainsi, vous n'aurez qu'à recopier tout simplement ces campagnes Facebook
pour pouvoir générer des ventes. C'est une offre qui est unique et qui est limitée, évidemment, puisque tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs, tout le monde ne reçoit pas non plus les mêmes campagnes Facebook Winner. Ce sont des campagnes que je teste en amont. Du coup, ça demande du temps, ça demande du travail et je ne peux pas le faire si il y a des milliers d'élèves au sein de ce programme. Du coup, ce programme est limité qu'à un certain nombre d'élèves, un certain nombre de places. Si vous voulez commencer dès maintenant et recevoir des designs, recevoir des campagnes Facebook ultra complètes, il s'agira simplement de copier-coller ces campagnes, de reproduire ces campagnes pour votre propre usage. Vous n'êtes pas forcé de faire un copier-coller, vous pouvez vous inspirer librement des campagnes que je vous propose. Dans tous les cas de figure, tout le travail vous est mâché. Donc, vous n'aurez vraiment aucune excuse pour ne pas vous lancer. Vous aurez déjà de quoi faire. Pour les plus paresseux, il suffira simplement de faire des copier-coller des campagnes que je vous envoie pour commencer à générer du cash. Mais vous verrez également comment faire vos propres campagnes, comment sourcer vos propres designs, créer vos propres designs, comment ensuite créer votre marque, votre univers à travers une boutique Shopify ou comment créer des campagnes éphémères sans boutique, sans Shopify en passant uniquement par les plateformes. Dans tous les cas de figure, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours chrono. C'est vraiment une offre unique pour cette fin 2019 et pour 2020. Cette offre est faite vraiment pour ceux qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas envie de faire tout le travail vous est déjà mâché. N'hésitez pas à cliquer dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme avant la fermeture des portes. Voilà, donc maintenant que c'est dit, ceux qui souhaitent démarrer dans le prêt-on demande, je vous laisse vous inscrire au programme en cliquant dans le lien ci-dessous. On se donne rendez-vous de l'autre côté de votre espace membre pour commencer votre formation. Et pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!